Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 35e épisode. Que Dieu vous garde pour cette fin d'année, vous et toutes vos familles. Alors, ce sera avec l'aide même de notre Seigneur Jésus lui-même, par le Saint-Esprit et le soutien de toutes nos églises, la bonne voie. Et avec l'assistance de nos collaborateurs, Royaume Vie Média et Radio JLC, et l'intercession de mon épouse Maïmouna, la plus belle. Bienvenue encore. Notre sous-thème ce jour sera: pourquoi les musulmans embrassent-ils la pierre noire lors du Hajj? Pourquoi les musulmans embrassent-ils la pierre noire lors du Hajj? Première partie. Et puis, toutes les informations que je vais vous citer, les hadiths et tout ça, c'est juste de portée musulmane. Ça vient de l'islam. Et la seule chose que je vais citer, c'est une seule référence biblique. Et vous pouvez trouver toutes ces hadiths et ces références coraniques sur Internet. Je n'ai rien inventé dans tout ça. Alors, allons-y. Quelle forme est donc cette pierre noire? Elle porte la forme d'un sexe féminin. Deuxièmement, pourquoi on doit toucher cette pierre noire et l'embrasser? Vous avez la réponse bientôt en bas. Bon, déjà, nous allons passer par le Coran. Sourate 2, 125 à 130, déclare précisément dans le verset 127 qu'Abraham et Ismaël, son fils, ont bâti la maison, la Kaaba, dans laquelle se trouve la pierre noire. Et d'où vient cette pierre noire? Selon l'islam, c'est rapporté par Tirmidhi 877, Nasaï 2935, et puis cet hadith est authentifié par Tirmidhi lui-même. Donc, la pierre noire, selon ce qui nous est rapporté, Mohammed, le prophète de l'islam, a dit, c'est descendu du paradis. Comment était-elle? Elle était d'une blancheur qui est égale au lait, mais c'est devenu noir à cause du péché des humains. D'accord? Nous allons avancer pour dire, quel est le rôle de la pierre noire? La pierre noire, son rôle serait de pardonner les péchés des humains qui l'embrasseraient ou qui la toucheraient. Alors, au jour de la résurrection, la pierre noire aura une langue pour témoigner en faveur de ceux qui l'ont touchée et pour témoigner en faveur de ceux qui l'ont embrassée. Alors, après, elle aura aussi des yeux pour voir. Donc, ça, c'est le rôle de la pierre noire. Et le prophète de l'islam, il nous a rapporté, le prophète de l'islam, bénédiction et salut soit sur lui, l'embrassa et fut suivi dans ce geste par les membres de sa Oumma, donc tout, y compris tous ses disciples. Maintenant, il y a une remarque à faire, que Omar, lui, c'était très remarquable comment il a embrassé la pierre noire. Il a d'abord parlé à la pierre elle-même. Il dit, je sais que tu es une pierre, que tu ne peux ni apporter profit, ni préjudice. Oh! Ensuite, il a dit, si je n'ai pas vu le prophète t'embrasser, bénédiction et paix soit sur lui, je ne t'aurais pas embrassé à mon tour. Ceci est rapporté par Bukhari 15-20 et Muslim 17-20. Voilà donc. Ensuite, Abu Toufé a dit, j'ai vu le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, tourner autour de la maison, c'est-à-dire la Kaaba, sur un chameau, et quand il arrive dans le coin où il y a la pierre noire, avec un bâton à la main, il touchait la pierre noire avec le bâton et il embrassait le bâton.
Donc le prophète de l'islam l'a embrassé physiquement la pierre noire, il a touché physiquement la pierre noire, et avec un bâton, quand il faisait le tour, et il l'a touché avec le bâton et il a embrassé le bâton ensuite. Alors, mais nous faisons une remarque. La pierre noire est faite selon l'islam pour pardonner les péchés. Et la remarque concluante partiellement, la pierre noire était une pierre. C'était une pierre que Dieu a créée. Dieu, le créateur de l'univers, a créé une pierre. Et ils ont pris. Deuxièmement, cette pierre a été prise et a été à la tête d'un rituel. Hein? Donc le Dieu de l'islam, Allah Ta'ala, a pris cette pierre et l'a mise dans un rituel. Voilà, ça c'est le Dieu de l'islam qui l'a fait. Troisièmement, pourquoi la toucher et l'embrasser? C'est pour le pardon des péchés. Hein? Une pierre pardonne les péchés selon l'islam. Quatrièmement, cette pierre noire est-elle un autre Dieu après Allah? Je ne sais pas. Puisqu'elle aura une bouche, puisqu'elle parle, elle aura des yeux pour voir, une bouche pour témoigner en faveur de ceux qui l'auraient touché ou l'embrassé, alors, puisqu'elle pourra pardonner les péchés, Allah aura donc créé l'univers selon l'islam, Rabbul Alamin, le Seigneur de tout l'univers, et la pierre noire viendra pour pardonner le péché. Il y a combien de dieux dans l'islam? Je ne sais pas. Il y a combien de dieux dans l'islam? Donc, mon ami musulman, je t'invite à analyser ces choses, mais je te dis, quitte l'islam, viens à Jésus, parce qu'une pierre ne pourra jamais pardonner tes nombreux péchés. Et puis, la position, c'est que Omar ibn Khattab, il a fait trois choses qui nous a été rapportées par Bukhari 15-20 et Muslim 17-20. Trois choses. Il a dit premièrement, il a parlé à la pierre. Je sais que tu es une pierre, tu es un caillou. Ah! Alors il dit, tu ne peux ni apporter profit, ni préjudice. Il a réduit à l'état d'un objet. Deuxièmement, il dit, si mon prophète, bénédiction et salut soient sur lui, ne t'avait pas embrassé, je ne t'aurais pas embrassé. C'est rapporté toujours Bukhari 15-20, Muslim 17-20. Et troisièmement, il corrige son prophète parce qu'il fait comprendre à la pierre qu'elle est une idole et que son prophète a embrassé une idole. Mais alors, dans la suite du troisième point, il aurait eu l'occasion de se départir de l'idolâtrie, mais il n'a pas fait ça sous la domination de son prophète. Il a aussi fait l'embrassade. Il a embrassé la pierre aussi. Dit, ne le fais pas, mon cher musulman. Ce n'est pas parce que ton leader est musulman. Ce n'est pas parce que ton père est musulman. Ce n'est pas parce que tes parents sont musulmans qui embrasseraient la pierre noire si l'occasion leur était donnée, que tu le ferais aussi. Aujourd'hui, tu sais que c'est une idole. Va sur Internet, tu vas trouver tout ça bien écrit. Je vais te lire la seule référence biblique, Actes 19, les versets 34 et 35. Là, le contexte, nous sommes en Asie, à Éphèse. Et souviens-toi que tout l'islam a été monté en Asie, là-bas. En Asie, là-bas, les Abbassides. Et tout ça, monter l'islam et cette doctrine. Après le départ de Jésus, ses disciples s'en allèrent prêcher cette bonne nouvelle. Et à Éphèse, la puissance de Dieu se manifestait à travers Paul. Et là, il y en avait qui avaient fait une industrie de temples de Diane. Ils vendaient les temples de Diane préfabriqués parce que Diane était leur divinité. Mais qui était Diane? Diane est égale à Allah. Alors,
Quand la puissance de Dieu s'est manifestée, la sorcellerie a été vaincue, les gens ont brûlé leurs livres de magie et ils se sont tournés vers Dieu. Et alors, l'industrie des fabricants de l'image de Diane s'est tombée. Et ils ont dit alors, au verset 34, ils ont crié pendant 2 heures dans l'auge, « Grande est la Diane des Éphésiens. » C'est comme ça que vous criez, « Allah Akbar, Allah Akbar. » C'est là, ça vient là, c'est la même chose. La Bible retrace tout et dit la vérité. Et au verset 35, ils disent, « Le secrétaire, il a dit, cependant, le secrétaire a dit, de notre grande Diane est tombée du ciel. » C'est ça que vous prenez pour dire que la pierre noire vient du ciel, c'est faux. C'est une idole que la Bible a révélée ici. La Bible révèle que c'est une idole. Que vous avez dit que c'est tombé du ciel. Non, ce n'est pas tombé du ciel. Les choses qui tombent du ciel sans preuve là. Non. La Bible a dévoilé. Là, ça ne vient pas du paradis. Diane est égale à Allah. Ça ne vient pas du paradis. C'est pourquoi il faut te donner à Jésus pour vivre la vie éternelle, pour que ton péché soit pardonné. Une pierre ne peut jamais, jamais pardonner les péchés. Et il ne faut pas embrasser la pierre qui a une forme de sexe féminin. Donne-toi à Jésus, tu seras sauvé, tu iras au paradis. Shalom.